Ensemble, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Tiens, ça va. Ouais, ça va bien. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va bien. Sinon? Ouais, ça va. Vu l'histoire récente du monde et de l'Afrique, il est clair que deux idées se dégagent de manière essentielle. La première est que, alors, on veut coûte que l'Afrique soit au niveau, n'est-ce pas, du monde, qu'elle soit compétitive, qu'elle se frotte aux grandes nations, bien, alors là, il faut être révolutionnaire, c'est clair. Révolutionnaire dans le sens de faire changer les choses pour le mieux. Mais évidemment, ça nécessite beaucoup de sacrifices et ça demande de la part des révolutionnaires eux-mêmes un don qui doit être extraordinaire. Ou bien, il faut tout simplement patienter et permettre à l'Afrique, comme toute chose naturellement, d'évoluer vers ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire que sa réalisation voilà, concrète et parfaite. Mais dans les deux cas, je pense qu'il y a une chose qui devra être vraiment au centre des idées, c'est l'éducation. Parce que quelqu'un le disait, le sous-développement avant tout, c'est la mentalité, c'est dans la tête. Si on n'évolue pas dans la tête, on n'évolue pas en fait dans la réalité.